Ils étaient plus de 190 chauffeurs d'autobus scolaires du Saguenay à se faire entendre lundi devant les bureaux de leur employeur. Les deux syndicats qui les représentent sont en grève pendant deux jours. Résultat, toutes les écoles des rives du Saguenay et de la Jonquière sont affectées. Aucun transport scolaire n'est effectué, ni même pour les sorties éducatives et le sport et hors-études. On ne conduit pas de la garnotte ou du gravier, on conduit des enfants. C'est super important, ils méritent plus et mieux. Les chauffeurs demandent de meilleures conditions salariales. 19 $ de l'heure pour conduire un véhicule lourd avec des enfants à bord, c'est franchement pas équitable et ni valorisant non plus. Puis on aimerait beaucoup que les jeunes aient envie de faire ça comme métier parce que c'est un beau métier. Ça fait 25 ans que je le fais comme pour mon travail. Puis dans 25 ans, là, si on a eu 40 sous par année... Là... Ça n'a pas beaucoup progressé, là. Tu sais, rendu à une vingtaine de piastres à l'heure. Je pense qu'on serait rendu plus haut que ça, normalement, si on avait suivi le coût de la vie. Mais Intercar affirmerait que les demandes dépassent sa capacité de payer. Les contrats ont été bonifiés l'année passée. Le gouvernement a augmenté les enveloppes pour les transporteurs. C'est du petit change dans les poches de l'employeur. On pense pas sincèrement que la capacité de payer n'est pas là. De nombreux parents ont dû trouver des solutions ce matin pour emmener les enfants à l'école. Leur opinion sur cette grève est partagée. C'est sûr que pour les parents, c'est un petit peu difficile, mais tu sais, je comprends quand même... leur façon de faire puis leur point de vue aussi. Si on veut faire bouger la population puis attirer son attention, ben on n'a pas le choix d'aller chercher dans ce qui les dérange. Je trouve ça correct. Je leur donne mon appui. Ils m'ont donné un document ce matin. Le salaire que j'ai vu là, il mérite plus que ça. Malgré tout, les parents semblent s'être organisés parce que dans les écoles, le taux d'absentéisme était mineur. Pendant ce temps, les négociations se poursuivent. Si le conflit perdure, les syndicats n'excluent pas la possibilité d'une grève générale illimitée. Contacté par notre équipe, l'employeur Intercar a indiqué ne vouloir émettre aucun commentaire. Eve Beauregard, TVA Nouvelles, Saguenay.